la course au stage, je le perçois comme les séries éliminatoires de hockey, par exemple. Ce que je veux dire, c'est que dans les séries éliminatoires, il y a 8 équipes. Et dans les 8 équipes, celui qui est 8e, il y a quand même des chances de gagner la Coupe Stanley, même si il y a l'équipe qui est première. La seule différence, c'est que l'équipe qui est 8e, elle doit juste travailler plus fort. Quelqu'un qui se qualifie pour les entrevues, peut-être c'est pas le meilleur élève, peut-être c'est pas celui qui est classé premier dans le rang, mais en étant 8e, s'il joue stratégiquement, s'il est capable de vraiment montrer qu'il a le pouvoir de croire en soi, de changer les choses, et moi je crois vraiment que cette personne peut obtenir un stage dans un bureau. Moi, premièrement, pour me préparer à mes entrevues, la première chose, c'est toujours essayer de personnaliser avec le bureau, c'est-à-dire commencer à voir lorsque je vais parler, qu'est-ce que je peux mettre en avant avec le bureau qui aura un lien avec moi et le bureau. Quand je vais faire mes entrevues, je vais toujours être direct, je vais toujours ne pas cacher qui je suis. Ce que j'attends des recruteurs, c'est vraiment le côté humain. On est tous humains, fait qu'il faut rester humain, vous voyez. Parce que je suis sûr que les gens qui vont te poser des questions, c'est sûr qu'ils vont essayer un peu de te stresser, c'est sûr qu'ils vont essayer de te... ils vont essayer de te challenger. Fait que je veux voir ça aussi comme un débat. Il faut pas rentrer dans leur jeu. Dans le sens que s'ils te posent une question, puis que tu rentres dans la question, regardez, ça vaut pas la peine. Dès que tu rentres dans leur jeu, ça marche pas. Il y a ce qu'on appelle la vérité objective, c'est la vérité avec un grand V. Et puis il y a la vérité subjective, ça c'est ce que tu penses vraiment. Et il faut tout le temps que tu sois sûr de toi. Tu as le droit de confronter les gens qui vont te poser des questions. Comme on le dit en anglais, like, you have to think out of the box. Comme par exemple, si tu poses la question, si tu étais un fromage, quel fromage tu serais? Mais dis-le que tu veux pas être un fromage, dis-le que tu veux être un fermier qui fait du lait. Comme ça, dis-le que tu veux pas être dans un frigo et que ça pue un fromage. Dis-le, tu as le droit.